À un moment, on s'est posé la question pour scaler nos équipes techniques, de trouver un bureau à l'étranger. Et on a trouvé Barcelone, qui était la Silicon Valley européenne. Barcelone s'occupe essentiellement, dans un premier temps, de toute la partie accompagnement des sellers. Et maintenant, on vient d'ouvrir un nouveau département à la tech sur la partie Accelerate, où là, on travaille sur le mobile. Tous les développements mobiles vont être faits à Barcelone, parce qu'en plus, il y a de la compétence. Et la partie B2B, on vend aux professionnels, et l'équipe de développement va être à Barcelone. Un marché dynamique qui bouge, des profils de bon niveau, que ce soit sur la partie mobile, que ce soit sur la partie développement web. Et on voit que c'est un marché qui est assez dynamique. On arrive à recruter rapidement. Et quand dans une société comme la nôtre, où on doit scaler vite, on ne peut pas se permettre d'attendre plusieurs mois avant d'intégrer des personnes. Je pense que c'est un carrefour européen. C'est une culture latine, donc proche de notre culture. Donc l'adaptation est beaucoup plus simple. Aussi, c'est un carrefour entre le nord et le sud. Dans notre équipe, elle est vachement internationale. Je parlerai plutôt des boîtes tech installées à Barcelone, qui sont des succès à l'échelle européenne et mondiale. Ça amène un dynamisme qui peut nous aider à trouver des talents, à échanger aussi. On échange pas mal avec certains CTO de belles boîtes barcelonaises. Lorsqu'on a voulu ouvrir à Barcelone, effectivement, on a été en contact avec ces gens-là pour nous aider à trouver des locaux. Ils nous ont aidé aussi à savoir comment monter la structure à Barcelone.